Les années 70 n'ont pas juste produit le disco, le linge psychédélique et les parties interminables, mais aussi le hustle, qui est une danse inspirée du mambo. Et j'avais le goût de l'essayer aujourd'hui parce qu'elle est en pleine renaissance et j'ai invité mon vieux complice, Yves Degani. T'es avec moi, j'en reviens pas. Oui, j'en reviens pas. On était juste au match des étoiles ensemble. Je te présente Victor. Bonjour, Victor. Professeur, Yves. Sa partenaire. Katia. Enchantée. Yves, les années 70, tu connais ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, j'étais pas au monde des années 70. Tu... Non, c'est vrai que j'étais au monde des années 70. En fait, pour tout te dire, Geneviève, comme tu es mon amie, en 1970, pile, j'avais 12 ans. OK. Mais comme j'étais le dernier d'une famille de gars et tout ça, la fameuse danse, le hustle, oui, qui est la danse du jour... T'en as vu. Ils dansaient ça. C'est mes ça, frères, t'en as vu. Ils dansaient ça, je voyais ça. Where was born the hustle? During the early 70s. Yes. I would say sometime between 72 and 73, it kind of rose. It was in New York City. Mm-hmm. And the reason why I know that it came from the streets and then eventually came into the discotheques. Mais c'est quoi la différence entre le hustle et le disco? Dans le fond, le hustle, c'est une danse que l'on a dansée sur la musique du disco, qui était la musique populaire des années 70. During the 60s, there was no partner dancing. Oh. There was none. Really? Yes. Early 70s, the only place that you would see any partner dancing is if you went to salsa clubs, which at the time were not called salsa. It was called Latin clubs. Okay. And when you go to Latin clubs, you would see a mambo. You would see a cha-cha. You would see the occasional social bolero. You'll never see any partner dancing in the general population. Moi, je connais pas du tout le hustle, mais techniquement, là, c'est quoi les difficultés? Il y a seulement 4 pas. Répéter à l'infini. Répéter tout le long de la soirée. OK. This dance was danced on disco music. Yes. It was born at the same time. It was born out of the disco music, absolutely. This dance came from the streets into the clubs. That's it. And then from the clubs, it became, then they started to do competitions within the clubs. Then all of a sudden, it became the hottest thing to do. So from 1973 to like 1976, the development of this dance occurred. And now you started to add costuming, yeah, tricks. The dance started to cultivate into something else. Right. Il y a quelque chose de classique, on dirait, hein, dans la... Très chic. C'est très chic, hein? Ouais. As-tu vu ah ça? Ah non, c'est chic. C'est pour ça que tu m'as invité, d'ailleurs. Ben, écoute, moi, j'ai dit, trouve quelqu'un de chic, Yves Degani. Et dis-moi, c'est quoi la différence entre le hustle et les autres danses de couple? Si on parle de danse latine comme la samba, la salsa, la bachata et tout, c'est des danses beaucoup plus collées, fermées, mm-hmm, sensuelles. Face à face. Chaleureuses. Oui. Mais ensuite, le hustle s'ouvre énormément. Ah, OK. On plus d'espace. Beaucoup plus d'espace, très, très chic. OK. Et ce petit côté, comme tu dis, disco, la belle robe, le look ouvert. It was originally a 6-count walk kind of a dance. It did not have a syncopation. Yes. It did not have a ball change. Okay. It didn't have. So what happened was that the influence of mambo, because a lot of us knew that mambo, we decided to put this and four. So the count became a syncopation where you had the ball change. Right. When that action occurred, the dance no longer was a step dance, like a walk dance. You actually had a syncopation, right, which created a rhythmic action. And that it and goes that's very the signature. Well on disco. And yes. But today we dance it on any music. Any music, contemporary music, we do it. Mais si je comprends bien, le hustle, c'est quand même un peu bâtard, si on peut dire. C'est
toutes sortes d'influences de danse, au fond. Ah, c'est un grand medley. Ah, c'est un medley de toutes sortes de choses. Bâtard dans le bon sens du terme. Toujours, c'est toujours dans le bon sens, bâtard. Et c'est mort, non? Si je comprends bien, le hustle a disparu pendant longtemps. Tu vois, tu as de la difficulté à le dissocier, mais lorsque le disco est mort, lorsqu'on a anéanti le disco vers la fin des 70, près des années 80, oui. Eh bien, le hustle aussi. This is so acrobatic and it's so hard. So imagine someone at home or someone just going to a club and they watch this dance done at that level. Yeah. Does someone really want to do that if it's not reachable? It made it impossible for the average person to do. If it's unreachable for the general population, it's not going to grow. Yeah. And that's what happened. That's and then it kind of faded. And it came back in 1995. So what happened, we did less tricks and more of the dance. To make it to make available. It more available for the general population. Pour niaiser, je danse un peu comme ça. Mais là, de le rationaliser, oh boy, c'est difficile. Et de le rendre beau aussi. Ouais, il y a ça, c'est une autre paire de manches. Parce que ce qui est beau, c'est quand il n'y a pas de friction entre les deux, quand ça coule. Fait que c'est pour ça que c'est important, partout où tu poses tes pieds, pour que le poids de la fille soit pas... Toujours, tu sais, qu'on soit jamais pas, en train pas créer de déséquilibre. C'est ça. C'est bon. Daniel, tu es le témoin vivant d'une époque, les années 70, le disco à Montréal. Il y a beaucoup de monde qui dansait ça, le hustle? Oui, c'était très, très populaire. Et puis nous, à l'époque, comme on a commencé, on était quand même assez jeunes, fait qu'on était, on n'avait pas nécessairement le droit d'y aller. Oh, mais on y allait quand même. OK. Est-ce que tu es nostalgique de cette époque-là? Nostalgique. C'était une belle époque. La musique était le fun. C'était le début du disco, si on peut dire. Mais ça revient aujourd'hui, puisque j'apprends le hustle, là, moi, et tu l'enseignes? Oui, on enseigne. On enseigne toutes les danses, bien entendu, le hustle. Oui, c'est redemandé. Comment ça que ça ressoule? Bien, moi, je pense à la musique. On a été influencés par la musique. Il y a l'époque avant, c'était la salsa qui était très, très populaire. Oui. Et de plus en plus, maintenant, la musique prend cette direction-là. Ça ressemble un peu au disco, la musique. Si on prend comme Lady Gaga, des musiques comme ça. OK, c'est le populaire. Rythme... Le rythme influence, oui, beaucoup. Qui sont tes élèves? Monsieur, madame, tout le monde. Quel âge, mettons? De tous les âges. Quand on a des enfants, et ça peut commencer à 8 ans. Puis la plus vieille, elle a 89 ans. Ah! Ouais. Would you say that there's a bit of nostalgia in the rebirth of hustle? Do I ever want it to go back to the way it used to be? Absolutely not. Okay. Because we didn't know what we were doing. Okay. We had no clue. We're a bunch of young kids throwing people around and, you know, creating whatever steps. It has no structure whatsoever. So, from that perspective, I'm glad where we are today. T'as appris 4 pas de base? Oui. Oui. 10, 15 minutes. Oui, oui, mais... Bon, bravo. Imagine, ça n'avait une heure. Mais là, est-ce qu'on en a assez pour joindre un groupe? Oh oui. On en a assez? Oui. OK, fait qu'on va se faire. On va prendre avec un groupe tout à l'heure. Oui. C'est ça. Ah, c'est bien. Est-ce que tu es prêt à continuer? Moi, je suis prêt parce que je suis téméraire. Ah, c'est merveilleux. Mais c'est si ça tu que me ça demandais prend. Dans l'absolu, non, je ne suis pas prêt. Dans l'absolu, non. Je lâche prise et je me lance. Parce que tu sais que demain, là, on sort pour vrai, toi et moi. Je le sais. Dans un club. C'est tout. Bon, fait que là, travaillons. 5, 4, 3, 2, crossbody lead. Pourquoi que le monde redanse ça aujourd'hui en 2012, 13? C'est peut-être l'éloge du couple. Oui, peut-être qu'on s'en vient dans une nouvelle ère que vive le couple. Oui. Bon, on fait un retour. Tu sais, les années 70, là, le couple a éclaté. Oui. Pour la commune. C'est vrai. C'est un retour au couple. Oui, la danse a fait partie de la création des communautés. Qui danse avec nous, c'est des gens qu'on accepte. On peut dire que la danse est un loisir important parce qu'il arrive à différentes époques de la vie. Donc, c'est quelque chose qu'on va pratiquer à toutes sortes d'occasions, de façon plus ou moins sérieuse, si on peut dire, jusqu'à danser une fois de temps en temps. J'ai commencé ça parce que, sérieusement, ça m'intriguait. C'était un style de danse que j'avais jamais essayé. J'ai entendu que c'était très populaire. Je sais que c'est très populaire, surtout aussi à New York. Donc, c'est vraiment un style qui m'intéressait. Puis c'est de la musique qu'on voit plus dans les clubs. Et la salsa, c'est un feeling différent. C'est un feeling plus... c'est toujours sexy, tu comprends? Alors là, avec le hustle, tu peux être sexy et relax en même temps. C'est un style qui vient chercher plusieurs saveurs, je trouve. C'est versatile. On peut mettre aussi de notre style dedans. Donc, je trouve ça le fun de danser le hustle. Il
Il y a eu dans les années, par exemple, 90-2000, l'apparition de musique et de styles de danse très typés, je pense au hip-hop, par exemple, qui était vraiment une forme de contestation sociale. Mais c'est pas tout le monde qui a le goût d'être révolutionnaire et de changer la société. Des fois, on veut juste s'amuser, et c'est tout à fait correct. Et le type de danse, comme par exemple le hustle, peut s'insérer à l'intérieur de tout. C'est une danse qui permet un peu de s'amuser beaucoup. Il y a de la technique, mais peut-être un petit peu moins que la salsa. Puis ça se danse autant sur de la vieille musique que de la musique actuelle. Fait que c'est le fun parce que, bon, pour les jeunes aussi, quand on entend un peu de musique de discothèque, bien, ça fait du bien. Puis on s'amuse, on lâche notre fou. On la valorise énormément, la jeunesse, dans notre société. Il faut être jeune, il faut être habillé en jeune, il faut tout faire comme les jeunes. Donc ça peut aussi influencer le fait que quelqu'un d'un peu plus âgé se permette de danser... Des types de danse plus jeunes, ou au contraire, les jeunes, d'écouter la musique de leurs parents. Ah, je viens d'y écraser un pied. Excuse-moi, je viens. Pardon, mais. Est-ce que mes parents viennent? Oui. Parce que mes parents. Fais-le avec Katia un petit peu. OK. Bien, moi, c'est un peu la façon de. Je fais un travail de vocaliste stressant, donc si je viens ici m'amuser, oublier un petit peu, c'est l'activité physique, puis c'est un petit peu un côté artistique, donc on vient s'amuser. Il y a le côté social aussi, on rencontre les gens, on a du plaisir. Ça devient vraiment un deuxième niveau de vie, une deuxième chose, même c'est un deuxième travail pour moi. Des fois, je me demande encore qu'est-ce que je vais faire comme carrière, peut-être changer, m'en aller seulement dans la danse à ce point-là. Donc, c'est vraiment profond, ça me tient vraiment à cœur. Toi, personnellement, qu'est-ce qui t'a intéressé au hustle? Un jour, à New York, lors d'un grand événement de salsa, là, je te parle de 24 heures, 36 heures, 48 heures de salsa. Alors, mon partenaire et moi, on a voulu prendre une pause, se rafraîchir un peu les oreilles. Et juste à côté, sur le même étage, il y avait l'événement de hustle de l'année. OK. C'était, oh, je vais faire ça. Et let's go. Tu vois, j'en parle, là, puis j'ai... T'as la chair de poule. Exactement. Wow. En cherchant un événement sur le hustle à Montréal, on a découvert qu'aujourd'hui, au Complexe des Jardins, va se donner une classe de maître de hustle, mais à l'intérieur d'une convention de salsa. Je me demande, c'est quoi le lien entre les deux? Why would you bring hustle to a salsa convention? Because the young kids are here. It doesn't necessarily have to be a salsa event. Mm-hmm. To me, it could be a ballroom event, it could be a West Coast swing event, it could be a country western event. I don't care. I will introduce this dance wherever there's young people. Yes. And I would just do it as an ambassador and just, hey, listen, take this as an option. This right. is something else you can do. Right. I'll demonstrate it. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. OK, so let's try that slowly. C'est un événement qu'on fait chaque année, c'est la 7e année. Et en effet, présentement, c'est les ateliers de danse. Donc, on a des artistes qui viennent d'un petit peu partout, qui sont là pour offrir des cours. C'est des ateliers de danse dans différents styles. When I dance, if you notice my and one, I'm going to go slightly and one. So you see where I am? I'm never, ever going to be in her way. Because my belief when it comes to partner dance is that her world, the line of dance is her world. I just visit. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent danser le hustle? Est-ce que vous sentez que la demande est vraiment là? Ça s'en vient. Je dirais que c'est toujours la salsa qui est le plus populaire, ouais. Mais le hustle, ça s'en vient comme le zouk. Oh, je vais mettre des cartes assises. Aïe, aïe, aïe. Dans le fond, mon coup de tête, c'est comme... Aïe, aïe, mes orteils! Aïe, aïe! Toi, j'ai pilé deux fois ses orteils. When I say commence, we're going to go just easy, basic, in place. She's gonna go. I'm gonna go behind and catch. Then I'm gonna say rotate. Then the girls go clap, next person. Okay, and that's how we're gonna learn how to dance with different people. You have different leads, different follows, different feels. Je vais rencontrer beaucoup de messieurs. We had to change the music because the younger population do not want to hear what their parents were hearing. That's it. Today you want Lady Gaga. So today I want Lady Gaga, I want Jackson, I want, you know, Timberlake, I want, you know, all these people. We're going to film it while she's in the middle. Pressure. 5, 6, 7, 8, 1. She goes. I go. A one. When I decided to come back to dance is when I met Katie. I says, okay, I'll do this.
So I go to this one convention where they were doing hustle. Okay, and I looked at it and it looked really bad. So I says, okay, this is bad. We need to somehow structure this. So I had a meeting with all the instructors and I says, okay, listen, we have to organize. Let's create a step list. Let's do, let's create more events to go to and cultivate this dance and kind of give it more credibility. If the dance has a structure and you're able to transfer that information, then it is a dance that you can take through the generations. Then someone can take it seriously. Mm-hmm. If you come up with a caricature of a dance, you can't take that dance they did on Saturday Night Fever and put it in a book. Yeah, exactly. Where well, they have one, two little steps that's and it. Becomes a yeah. dance? No. Et là, tu recules. Je recule. Je vais aller à placer là. Oui, donc, Yves, oui. je pense qu'on on commence à tenir quelque chose. C'est incroyable. Hein? N'ajustez pas votre appareil. On se peut. Oui. On, je pense qu'on se peut. Pour on la peut, première hein? fois aujourd'hui, on se peut. Pour la première fois de notre vie, Geneviève. C'est génial. Super. Hey, OK. Merci de votre patience. Mais oui. Oui, oui, c'est quelque quand chose. Même. Donc, on va récapituler ce qu'on a appris, absolument. Parce qu'on a quand même pas mal de matériel. Oui. Là, le hustle qu'on danse, est-ce que c'est le même exactement que dans les années 70? Pas vraiment. Il a évolué. Concrètement, fais-nous un petit bout 70, puis fais-nous un bout 2011. On te regarde, OK? 70. 70. Donc, c'était très... un peu la même histoire, mais c'est à rester ici. Ça voyageait pas plus que ça. Tandis que maintenant, de nos jours, il y a des figures un peu plus complexes. Des changements pour elle, des changements pour lui, oh! les ouvertures, oh, okay. des beaux jeux. Oh là là! Parce qu'avant, oh il se droguait. Il oui, c'est ça, il était pas tourné. Non, il y avait mal en fait, au cœur. Il dansait comme ça, mais dans le tête. Hein, c'est ça, le c'est corps l'exprimait pas. Est-ce que là-dedans, t'apprends, toi? Non, mais c'est sûr, parce que les danses sociales, je les ai jamais dansées. Vous abordez pas ça dans les formations professionnelles. Non, pas du tout. Fait que, tu sais, une formation classique, ça prend une vie former un danseur classique. C'est pour ça que j'aime ça animer, voulez-vous danser, c'est parce que j'ai jamais dansé ces danses-là. Alors, pour moi, tout est nouveau. Tour au partenaire. Côté, 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 côté. Ah, moi, j'ai trouvé ça beaucoup plus complexe que la simple observation que je pouvais en faire. Ah oui? C'est drôle, hein? Je me disais, bon... OK, c'est comme le rock, comme quand lorsqu'on dansait le rock quand on était jeune. Puis il y avait quelque chose d'un peu à gogo là-dedans, oui. des années 70. Tu pensais que tu allais niaiser. Moi, je pensais que j'allais niaiser. Eh bien, non. Mais non. Ah non, j'ai pas niaisé. Et puis je me suis rendu compte que ça demande une discipline, une tenue, une élégance. C'est ça. Et c'est aussi un art d'interprétation. Complètement. Et c'est quelque chose de simple, mais c'est pas simpliste. Non, et ça, c'est comme faire une petite pâte al dente. C'est simple. Mais pas plus que 7 minutes, non, sinon... C'est l'horreur, voilà. c'est l'affaire. C'est bon. T'sais, on va pratiquer ça en privé aussi. On va le pratiquer oui, en oui. privé. On va revenir plus, avec plus de fini, plus de glacis. Et réouverture. J'ai une dernière question. À partir de ces 9 éléments-là, qui sont vraiment les éléments de base, j'imagine que c'est pratiquement infini. Ensuite, les figures, bien de sûr. Côté, ouvrir deux fois. Ah, il va te montrer, regarde, il va te montrer. Il va nous montrer, infinis, hein? Comme tantôt, c'était 1, 2... 3, 4, donc ensemble, 6, ah oui. 7. D'accord? Je peux faire les bras par-dessus, sur le côté, en bas, sur le côté, en bas, donc 5 fois. Donc 7 fois multiplié par 5, multiplié par tour à droite, multiplié par tour à gauche, multiplié par translation et multiplié par dos à L, donc position tandem. OK, fait qu'essayons-le avec la musique. Oui, ça ben oui. tente, les 9. Et hey, puis merci Victor. Hein? Merci, merci à vous. Victor, c'est merci incroyable. À tout le monde. Ça me donne juste envie de continuer. C'est vrai? Ah non, sérieusement. Ça te va bien. C'est-tu quoi? C'est mon style, bien. Ça? Oui, c'est ça. Je vais m'arrêter. Parce que... Oui, quatrième. Boum! Coup de poing. J'aime ce style-là. Moi, j'ai senti que tu t'abandonnais à un moment donné, là. Je me oui, disais... Oui, mais ça n'a pas duré longtemps, l'abandon. En fait, c'est comme n'importe quoi. Hein? Quand on a bien la technique de base, mais il faut... Il y a un temps pour apprendre. Ben c'est ça. Il y a un temps pour s'abandonner. Et je ne
Geneviève, il faut que je te dise que quand on est sorti de la piste, il y a un observateur qui est venu dire... Ils ont ri. Votre compagne, elle a poigné ça vite. Ah oui! Oh, alors, j'ai dit que moi, ma compagne... Je me sens en arrière, surtout, là, tu sais, parce que nous, on a répété sans musique. Mais là, tu mets un rythme rapide, là, on le perd vite, puis là, qu'est-ce qui vient après? Puis souvent, on se dit, arrête, on recommence au début. On n'a pas la... Tu sais, ça coule pas encore. Mais c'est vrai que... Les rapports hommes-femmes là-dedans sont assez traditionnels, d'une certaine manière. C'est l'homme que le contrôle. En fait, c'est comme il faut que ce soit. N'est-ce pas, c'est ça! Je pense que c'est plus simple quand même que la salsa ou la samba parce que les pieds dans ces danses-là doivent être plus rapides. Sauf que là où c'est compliqué, c'est que c'est la même chose que toutes ces danses-là, c'est de l'improvisation. Nous, on a appris une petite routine au bout de laquelle on arrivait souvent, puis il fallait qu'on revienne au début pour... Mais la difficulté, c'est de toujours continuer quelque chose de nouveau. Mais on n'est pas... Nous, on n'était pas rendus là. Non, parce qu'on n'a pas assez répété de temps ensemble. Ah, hey, non, mais j'ai vraiment eu du fun. Ah oui, moi aussi. Moi aussi, Geneviève. Et c'est un privilège. C'est un privilège d'avoir un partenaire avec cette élégance, cette tenue, cette plage et cet abandon. Merci.